Nouvelle levée de boucliers en Turquie suite au placement en détention de 9 journalistes de Cumhuriyet, le principal quotidien d'opposition. Ils avaient été arrêtés en début de semaine dans le cadre d'une enquête pour activité terroriste en lien avec la confrérie de Fethullah Gulen et avec le PKK. L'histoire vous marquera du sceau de la honte, titrait le journal de centre-gauche ce samedi, s'adressant ainsi à l'exécutif turc. Vous essayez de faire du journalisme un délit et vous essayez de bloquer le droit à l'information. Ce droit est dénié au peuple dès qu'un seul journal est fermé, dès qu'un seul journaliste est arrêté, a déclaré un député du CHP, le Parti républicain du peuple. Ce placement en détention intervient au lendemain de l'arrestation d'une dizaine de députés kurdes du HDP, la troisième force politique du pays. 2000 manifestants se sont rassemblés à Paris pour dénoncer ces interpellations. Rassemblement pro-kurde également à Cologne en Allemagne ou à Athènes en Grèce, où certains manifestants arboraient le drapeau du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation jugée terroriste par Ankara et par l'Union européenne.